Wesh, j'espère que vous allez bien. Je suis encore extrêmement fatigué, je sors d'une journée où je n'ai pas dormi pendant 36 heures. Bon, bah du coup c'est 2 jours. Ah ouais, non, là c'est chaud là. Une petite comparaison entre moi maintenant et moi sur une autre vidéo. Là, vous me trouvez beau gosse peut-être, mais en fait c'est juste que je dois sortir dans moins de 5 minutes et que du coup bah genre, je tourne et ensuite je me casse. Mais en gros, actuellement je tourne, on est samedi matin. Jeudi, je me suis réveillé à 4h35 pour aller travailler. J'ai travaillé toute la journée. Ensuite, j'ai fait quelques papiers que je devais faire absolument. Le soir, il y a eu le stream spécial Halloween. D'ailleurs, ce stream vous a beaucoup plu, ça a changé énormément de ce que je faisais d'habitude. Du coup, bah je suis plutôt content. Et en fait, juste après, il y avait la soirée de ma fac auquel j'ai participé. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai travaillé le vendredi matin de toute la journée, enfin toute la matinée jusqu'à 15h. À 15h, je suis allé à un rendez-vous et je me suis couché à 17h30 au début du The Event, parce qu'on est dans le week-end du The Event. J'ai peu dormi. Enfin, en fait, non. J'ai pas dormi de 17h30 jusqu'à, voilà, parce que je suis sorti hier soir aussi de 20h30 à 2h du matin. Mais en fait, je troll aussi. Genre, franchement, je suis fatigué, mais aussi, je me ménage pas. Nouvelle vidéo, l'équipe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à Paris encore avec Lilith, ses modos et mes modos. Enfin, quelques modos de la Biche Corp. Vous allez pouvoir les rencontrer. Ça va être super. Pourquoi on va à Paris? En fait, tout simplement, je ne sais pas. Si, en fait, je sais. Dans les grandes lignes. Il y a quelques semaines, on a dépassé les 2000 subs sur Twitch. C'est redescendu depuis et beaucoup de gifts, oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous êtes un viewer de YouTube et que vous voulez me soutenir et que vous avez par exemple Amazon Prime, c'est totalement gratuit de vous sub à ma chaîne avec Amazon Prime. Amazon Prime, c'est 23 euros à l'année quand vous êtes étudiant. 23 euros à l'année, ça fait environ 2 euros par mois. Voilà, en gros, pour vous dire. Et pour cette somme, vous pouvez vous sub pendant toute l'année à ma chaîne Twitch. Et ce qui peut être intéressant pour moi parce que c'est un peu ma source essentielle de revenus. Voilà, donc, ou tout simplement, si par exemple vous avez 4 euros à dépenser et que vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas à utiliser 4 euros sur ma chaîne Twitch pour balancer un sub. Voilà, le message de promotion est passé, c'est le plus important. Merci à tous ceux qui le feront. Et voilà, on va à Paris. Pourquoi? Parce que Lilith organise l'après-midi Sailor Moon. Alors, pour ceux qui se souviennent, quand j'ai dépassé du coup les 2000 subs, on devait se déguiser en Sailor Moon et on devait aller dans Paris se balader en déguisement, qui était un peu pas ouf. J'ai un peu peur, je vous avoue. Je ne suis pas serein au fait de me déguiser comme ça. C'est mort, je ne me maquille pas, je précise. Je me suis trop fait maquiller ces derniers temps, j'en peux plus. Oui! J'arrive! Mon père qui me dit on y va parce que vous savez, on a le train dans 20 minutes. Petite info aussi, il y avait quelques trous dans mon plafond durant la dernière vidéo vlog. Pour ceux qui s'en souviennent, les trous ont été comblés. Voilà, merci beaucoup à tous. Sur ce, on se laisse. Début de la vidéo du week-end entre potes. Sauf qu'on est un peu plus que la dernière fois. Allez, bisous. Je suis actuellement arrivé à Paris, en train de me balader. On rejoint les petits potes à l'Airbnb. Je sais que Lilith y est déjà, je crois. Faut que je vois si les modérateurs aussi ils sont là présents. Donc il y a pas mal de gens, ça va être cool. On nous a dit d'être là avant 11h30, mais je crois que il y en a parmi les modos qui ont des petits problèmes de train. Tu sais, je parle, mais en fait c'est trop bizarre de parler alors qu'il y a des gens qui te regardent. Comment ils font les vrais vloggers là? Il est en train de pleuvoir, donc là j'ai des gouttes qui sont en train de m'arriver sur le visage. C'est une sensation qui est plutôt plaisante, voilà. Du liquide qui arrive sur mon visage comme ça, en vrai je kiffe. C'est comme si je prenais. Non, je vais m'arrêter là. Oh non, mon dieu. Oh mon dieu, c'est quoi de ça? Regardez-le comme il est content. Mais c'est... Non, oh non, mais... Tu seras si beau. Ah, je suis en vert? Oui. Mais je ressemblerai à une pomme. T'es jolie, une pomme. Putain, le vert, ça n'ira pas sur moi. Ça va moi, pas à montagne. Si, en vrai, ça peut passer. Le rose et tout, trop mine, ça. Il y a le nœud et ah, tout. Ah, il y a du rose. Ah oui, mais en fait... Mais attends, mais il est énorme. Il y a un endroit que je veux aller. Ouais, je veux aller à la quéqueterie. C'est quoi? La quéqueterie? C'est quoi la caquette? C'est un endroit où on mange des gaufres en forme de ZZ et de Zizi. Mais du coup, il y en a pour tous les goûts. Putain, je viens à Paris pour manger des bites. Trop cool! C'est trop chiant. C'est vrai que les bites, elles ont l'air plus appétissantes que les ZZ. Là-bas. Là-bas, non, là-bas, mais... oui, oui. Non, oui. Sur place, genre. Non, mais après, ah bah, allez sur problème. Le site de la caquetterie et vous verrez. On mettra le site en description. Et peu importe votre choix, tout le monde prendra la caquette. C'est sûr. La caquette? Ouais, elle est grave. Eh, franchement, elle donne grave envie. Ah ouais, la caquette, elle est petite comme ça et la caquette, elle est. Il va peut-être arrêter de le voir. Après, il fait moche quand même. On est en collant, mini-jupe dans la rue. Tu sais que j'ai rien prévu par rapport à ça. T'as pas pris de collant? Non. Ah ouais, là t'as plus. Mais tu crois que j'ai des collants? 15 milliards de meufs. Mais tu crois que j'ai des collants? Bah oui. Il y en a aucune qui peut te. Mais c'est toi ma contact. Mais putain, fallait me le dire, je t'en aurais pris. Mais j'ai pas besoin de collants. C'est pas possible. Imagine le truc qui ira au cou et genre. Il quoi? Imagine le truc qui t'arrive là. Ah bah oui, bah si le truc est mais trop non. Court, il a le cul à l'air, venez hein. Les amis, je suis pas sûr de l'idée hein. Non mais en vrai, on peut à tout moment pas annuler hein. Bon allez, on va rejoindre Matoff et Gli.
qui sont actuellement au McDo de Châtelet. On va aller rejoindre tout de suite. Il est temps, les pots, ça fait déjà une heure qu'ils nous attendent. Allez. On va se faire agresser, hein, vous savez. Toi. Si on se fait agresser, vraiment, je rigole. Bah non, on rigole pas. Moi je cours. Non, moi je suis une dernière. En vrai, c'est à ce moment-là qu'on remercie le Covid d'avoir inventé les masques. Comme ça, personne ne nous reconnaît. Oh la tête qu'on a. Héloïse ! Il y a Marco sorti. Je crois qu'elle s'appelait aussi Héloïse, elle s'est retournée au moment où je t'ai appelé. Non, c'est juste t'as gueulé comme un porc. Ah. La fille indienne. Ça vous est jamais arrivé d'entendre une princesse chanter Donc quoi c'est Peter Pan. Ouais. À la fille indienne. Bientôt vous allez voir des princesses manger des McDo. Eh, princesse moderne. En vrai, je suis quelqu'un de très à l'aise dans la vie de tous les jours. Je sais pas si je vous ai dit, mais en fait, je suis un bonhomme. Moi, je suis le type de mec, j'ai pas peur, tu vois. Je me bats assez facilement. Ah, c'est bon, je les vois. Ah non, je les vois pas. Non, si, je les vois. Si, je les vois, je les vois pas, je les vois pas. Qu'est-ce que vous faites? Oh, salut. Oh là 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 là. C'est pas quelqu'un sans gants qui veut le faire parce que je vous avoue c'est un peu. Ça vas-y. Mais. Tu veux pas? T'es dans la même position. Tu veux pas? Je vais prendre des nuggets. Tu penses que les super-héros ils mangent des nuggets? Bah oui, regarde, je vais le faire. Non mais toi t'es. Une super-héros, ta bouche. Ta bouche. Non, c'est pas t'es déguisé. T'es déguisé. Non, je suis une princesse. Non, enfin non, c'est un déguisement. En vrai, tu t'appelles Louise. T'habites à Vichy. Ça fait travail et en plus, ouais, c'est ça. Bah là, je vous travaille. Ah, d'accord, mais super. C'est hyper, ça a l'air super. J'ai jamais regardé le truc, c'est la chose d'elle. C'est Elon Musk, ça va. Vous connaissez les noms? Pardon? Vous connaissez les noms? Bah ouais, je suis Elon Musk. Attends, c'est super connu, c'est Elon Musk. Bah oui, quand même, faut pas abuser. Je vous jure que je connais pas. C'est quoi? Je m'appelle comment? Bon, en général, Jupiter, c'est Elon Jupiter. Jupiter, non? Genre, t'es habillée, mais tu sais pas encore. Non! Et moi, j'ai vu Jupiter. C'est Elon Moon! Ah! C'est un instant, on était en train de manger tranquillement. Battle de regard. Voilà, une petite battle de regard assez il intense. Oh! Il a regardé le téléphone, non? Ouais. C'est faux, en tant qu'arbitre. On n'a pas vu, pas pris. Et ici, toujours impassible. Comment s'est retrouvé dans cette situation? Excellente question. Je suis sur le côté. Je peux pas filmer. Non. Refais-le. Comme ça. Non, regarde la caméra. Si je peux me permettre, je pensais pas que la première fois que je me déguiserais en princesse, j'allais mouiller autant. C'est parce que j'ai utilisé mes pouvoirs magiques. Mission Ninja. Bah je peux pas y aller hein, mais il y a une caméra quoi. Donc j'ai pas envie de la bousiller. Au pire non, on les laisse partir genre. Non? Oui? On fait ça? C'était très marrant. J'aime beaucoup quand tu fais ça, sache-le. Quand ça monte et que ça descend comme ça en face de nous. Tu fais quoi ce soir? T'es disponible? Non mais c'est pour t'es dispo? Ok. Bah écoute, on se donne rendez-vous? Chez moi? 23h, pas plus tôt. Viens habiller, pas trop. Allez, bisous. Bah, de toute façon, on filme tout notre voyage. Mais je suis pas gay, moi. Donc, moi non plus. Ça nous fait un point pas commun. C'est pas grave, un point pas commun. Je connais pas cette expression, c'est pas française. Bah non, ça pose un peu de problème. Salut, c'est la voix off. À ce moment-là, je prends quand même le temps de vous expliquer pourquoi il y a ce petit passage. En fait, on était justement dans la queue de la quéqueterie pour manger des queues. Il y a beaucoup de queues dans la même phrase. Et en fait, un mec bizarre est venu, il nous a croisé, il a commencé à nous parler. Le mec était certainement sous substances qui sont quand même assez illicites. Je voulais le passage parce que c'était quand même très drôle. Et voilà, profitez bien. Il y a la Martinique, ça fait plus. Ah, j'ai de la Guadeloupe. Ah ouais, ouais. Ah, t'es importé. Bah, pas au courant. Il est parti? Il est parti? Il est tombé. Bonjour, excusez-moi monsieur. Est-ce qu'on a le droit de manger ici et si on consomme sur place? Non mais c'est juste que comme on va manger des caquettes. Des caquettes à côté. Merci beaucoup. Attendez, on a rencontré ces deux gentilles demoiselles dans la file. Ouais. Voilà. On leur a prêté nos parapluies et voilà. Et un avis du coup sur nos tenues? Ah bah ouais, on adore. Franchement, c'est très sympa. Ouais, sérieux? Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. C'est comme ça qu'on vous a tapé dans l'œil. Ouais, exactement. On vous a un peu pris pour des fous, mais franchement. Et du coup. Il existe un monde.
On ira, on saura sauver notre existence. On refaire. Elle est passée, elle a fait une réaction incroyable. J'espère que c'est filmé. Elle est passée juste derrière. Il y a plus de caquettes, regarde. Il y a plus de caquettes. Il y a plus de caquettes, mec. Comment ça, il y a plus de caquettes? Ça se trouve, on a plus de caquettes pour nous, genre. Moi, j'ai mangé une grosse bite, moi. Quoi? Hein? Ah, la gaufre. Ah, la gaufre. Je te jure, ça me fume. Il y a vraiment zéro crédibilité. J'ai vu. Quoi? J'ai vu. Quoi? Tu l'as vu? J'ai vu. Tu l'as vu? Merci. Vous trouvez vraiment délicat? Hein? Est-ce qu'on est belle? Laissez-moi regarder les chaussures. Les chaussures? Ouais. Moi j'ai impeccable. Moi j'ai des vraies chaussures de princesse. Hein. C'est vrai. Ah oui, alors. Ouais. Ah, mais le monsieur derrière vous, ça me fait. Ah oui, lui aussi, il est pas mal. Oui, il est pas mal. C'est quoi, ça? On a pris la même. C'est à quoi? Au Nutella. Ah, j'ai pris le Nutella. Non. Montre ta queue. T'as l'air un petit commentaire sur ta queue, mec. Moi? Ouais, sur ta queue. Est-ce que t'as mal aux fesses parfois quand tu fais caca? Ah ouais? Tu veux que je te diagnostique quelque chose? Tu peux me diagnostiquer quelque chose, même? T'as besoin de... Ouais, bah oui. On va s'isoler? Ok, on y va. Alors, un petit avis sur les caquettes? Elles sont bien fourrées. Bien fourrées, ouais. Non, sérieux, non. No joke, oubliez les sous-entendus. En fait, elles sont fourrées au Nutella, le Nutella dessus. Genre vraiment, quand tu croques dedans, genre ça fait beaucoup, genre c'est vraiment genre ça étouffe, genre vraiment. Tu sais que on parle, on discute de caquettes alors que les gens nous regardent bizarre parce qu'on rappelle qu'on est toujours déguisés, tu vois. En Sailor Moon. En Sailor Moon. Je rappelle que c'est un sub goal, 2000 subs. Merci à tous. N'hésitez pas à refaire ce chiffre quand vous voulez. Hein. Ouais. Ça me dérange pas. Tous les 2000 subs, je mets en Sailor Moon. Non, je rigole. Je me mets pas dans le premier tous les mois, quoi. Non, bah, tous les mois, hein, je pense qu'on y est pas. Hein. En vrai, est-ce que cette vidéo peut nous permettre d'atteindre les 1000 subs? On va faire quelque chose. Là, vous mettez des défis que vous pensez de fou. Vous mettez dans les commentaires celui qui est plus liké. Bah, si il nous plaît, le projet est intéressant. Pour 1000 subs sur le live de Bichard, on tente la chose. En vrai, le commentaire le plus liké. De fou, le commentaire le plus liké. Vous proposez des sub goals et le sub goal le plus liké, et ben il passe à 1000 subs et dès qu'on attend, on le fait. Ça me va. Mais il faut pas que ce soit le sub goal en mode tu te mets un poil et tu nous montes ton sgeek. Parce que ça, je le fais pour zéro. Allez, on rentre dans le métro, du coup, je range la caméra pour éviter des risques de. Sinon, ce vlog ne sortira jamais, quoi. Ouais, jamais. Ou sur la chaîne qui. C'est une chaîne qui m'appartient ou pas? De la pluie qui est du cri. Je suis sûr. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que quelqu'un me vole la caméra. Et tu sais que le vlog sorte, mais c'est pas sur ma chaîne, genre. Oh. Et le mec, il met tout le vlog là. Il fait un montage. Merci pour la caméra. Merci pour le vlog gratuit. Mais vous connaissez? Ouais. Moi, j'ai filmé la même que. Peut-être votre âge. Moi, j'ai vu. Alors là, pour vous expliquer, c'est la fin de la journée. On est prêt à rentrer dans le Airbnb. Et on rencontre un youtubeur japonais et qui fait des vidéos sur la France et avec la culture japonaise. En gros, de ce que j'ai compris, c'est il apporte une culture japonaise en France et il filme les gens et il voit un petit peu ce qui se passe, etc. Du coup, quand vous le voyez nous filmer, c'est qu'il est en train de nous filmer pour sa vidéo. Bonjour. Allô. Je pense qu'il nous a abordé parce que c'était plus simple de nous aborder nous que n'importe qui d'autre, étant donné qu'on était déjà bien ridicule. Oh, vous avez vu le dessin animé? J'ai ton trapin. Ok. Il s'est cassé l'autre. En fait, aujourd'hui, j'ai ramené un gâteau de 5 calories. Okay. Du Japon. Ça s'appelle caramel corn. Ça a l'air trop bon. On goûte quand on était petit. D'accord. Ouais. Vous voulez goûter? Oh, c'est trop bon. C'est super bon. Oh, c'est sucré, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est un mélange de sucré salé. Ouais. Ah bon? On dirait des caramels. Non, des noisettes caramélisées. Ah, oui. C'est trop bon. C'est un mélange de sucré salé. Un peu. Un peu popcorn. Popcorn caramel. Popcorn caramel. C'est trop bon. Ouais. J'en prends. Non, on peut pas tomber. Je vous le rends. Non. Oh, c'est pour nous. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a l'air trop bon. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes nous? Ouais, on va manger. Merci pour l'effort. Merci. Merci à vous. Merci. Salut.
C'est la fin de cette vidéo, ça coupe un peu brutalement, je sais. En fait, j'ai juste pas filmé le reste. On a passé de bons moments et tout entre nous. Et moi, j'ai pris le train tout de suite après. En fait, j'ai pris le train le samedi matin et je suis reparti le samedi soir parce que le lendemain, j'avais pas de train. Voilà, c'est super. C'est une vidéo un petit peu bonus. J'avais très peur de la sortir parce que je me dis qu'il y a une communauté qui est très, 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 très sensible au cringe et qui, à la moindre notion de cringe, va crier cringe. Et c'est très chiant. J'espère en tout cas que ceux que ça a fait rire, bah, mettez-le dans les commentaires parce que je pense que ceux que ça n'a pas fait rire. Vont mettre un petit message, du coup faudrait que ça contrebalance pour pas que mes commentaires soient trop voilà. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, merci pour ceux qui comprennent un peu le second degré de cette vidéo et je vous laisse, je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo, sur ce gros bisous tout le monde, c'était Bichard. Une petite comparaison entre moi maintenant et moi sur la vidéo et moi sur une autre vidéo, voilà ce sera mieux. Bunkhead mon pauvre, hein. Franchement tu dois supporter ça. Et à cette occasion on a décidé de sortir dans Paris déguisé en princesse Sailor Moon bien évidemment et d'aller manger des queues. Je suis pas sûr qu'il faut sortir la vidéo Bunkhead en fait. Vraiment j'ai un doute.